CNRD. Mamadi Doumbouya. Dieu là, il ne dort pas. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les lâches. L'hypocrite. Dieu n'aime pas l'hypocrite. Mamadi Doumbouya, tu es venu au pouvoir. Depuis ton arrivée au pouvoir, tu n'as fait que faire l'hypocrisie. Tu es un hypocrite. Aujourd'hui, moi aujourd'hui, les gens à qui tu as voulu tromper, les personnes à qui tu as voulu faire croire aux gens, comprendre aux gens que toi, tu es l'ange. Toi, tu es le cadeau du ciel, quoi. Toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu viens du ciel, en fait. Toi, tu n'as jamais été sur terre. Tu étais au ciel. Et puis, de là-bas, tu es descendu. Et tu es venu gouverner la Guinée et les Guinéens. Tandis que, tu sais, nous-mêmes, peut-être c'est eux. C'est certaines personnes qui ne te connaissaient pas. C'est l'opposition qui ne te connaissait pas. Mais nous autres qui sommes du RPG, nous on sait qui tu es. De quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu peux faire. Quand tu es venu faire croire aux gens que tu es descendu du ciel, tout le mal qui s'est produit en République de Guinée, toi tu étais absent, tu ne connaissais rien, tu n'étais pas là et tout. Aujourd'hui, Dieu a montré ton vrai visage. Parce que tant que c'est de chercher ses loups dans l'un de chez lui, tant que c'est de faire tomber sa maison, tant que c'est de construire une école chez lui, tant que c'est de le convoquer devant les barreaux, tant que tout ce que tu fais là, tant que c'est le matériel que tu touches. Que tant qu'on vit là, on peut tout gagner. D'accord? On peut comprendre. Ils peuvent eux-mêmes accepter. Tu as vu, la maison, ils ont accepté. Parce qu'ils se disent que quelqu'un qui veut aller à Sekoutouréa, si on fait tomber une maison, il peut trouver 5 maisons, 6 maisons, plus que ça. D'accord? Et tant que c'est le matériel, en fait, on peut remplacer. Mais aujourd'hui, tu es allé au-delà. Là, maintenant, c'est de ôter la vie des gens. Aller tirer sur les enfants d'autrui. Ça, c'est pas le matériel. Hein. On parle pas de matériel. Et ça, c'est pas un politicien qui a demandé de manifester pour dire que non. C'est des Guinéens, c'est des personnes qui aiment le pays, c'est les personnes qui sont des Guinéens, pas par procuration. Non, ils sont Guinéens. Peut-être si tu leur demandais, ils allaient rêver d'être américains ou australiennes ou français. Personne n'a souhaité d'être ce que nous sommes, Guinéens. Donc, en tant que Guinéen, tu as fait monter le carburant. Ils sont mécontents. Ils sont sortis dans les rues. Et puis, tu prends tes armes. Tu les tues. Tu as tué un d'abord. Et le un là, je sais, ça va aller. Parce que c'est vous les tueurs, en fait. Moi, j'ai toujours dit, quand tu as voulu prendre les tueries de l'Axe là, tu as mis sur Alpha et nos gouvernements là. Tu étais où, toi? Tu as quel ministre a un flingue même? Même le pistolet pour se défendre. Aucun ministre. Quel est le ministre qui a le flingue? Qui a vu nos ministres sur l'Axe au moment des manifestations grèves? Qui a vu le président Alpha Condé sur l'Axe au moment des grèves? Moi que vous voyez là, si vous me voyez parler de Alpha Condé, c'est parce que je l'ai côtoyé. Alpha ne peut pas faire du mal, même à des moustiques ou des mouches. Je connais ce que je dis. Wallahi, je sais.
C'est pas facile pour certaines personnes de croire parce que eux, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu. Rencontrer cet homme, côtoyer cet homme, étudier cet homme et voir quel genre de personne. Alpha n'est pas mon père biologique. Je pouvais quitter, dire à Alpha Condé, c'est bon à un moment donné. Mais quand je suis venue, j'ai vu cet homme. J'ai compris que cet homme, lui en personne, c'est vrai, c'est sous son temps, il y a eu le mal. Mais ce n'est pas lui qui a ordonné. Il ne peut jamais ordonner le mal. Je sais quand on parle. Je sais combien de fois cet homme, il a un cœur. Wallahi billahi tallahi. Je parle entre moi et Dieu. C'est Dieu qui va me juger. Moi, je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai peur que de Allah. Je n'ai peur que de lui. Les autres humains, je les respecte, je les considère. Mais Alpha que moi, Fatou, j'ai côtoyé. Alpha Condé que moi, Fatou, je me suis assis en face. On a parlé plusieurs fois. Alpha Condé, moi qui prends le pain, il me sert. Côté 5, on peut témoigner. Je suis dans le bureau de Côté 5, on est là en train de parler, raconter. Je lui raconte parce que lui aussi, il aime quand je lui raconte des histoires, des choses drôles. Je suis là assis avec lui. On voit le président. Côté 5, on peut témoigner. Le président vient avec un verre de café. Et le pain me trouvait dans le bureau de Côté 5, il me sert. Le président qui est dans son palais, qui ne porte même pas de chaussures, qui fait le tour de son palais, dedans là-bas, qui est là, free. Tu ne peux même pas croire que c'est un président. Quand tu vois Alpha Condé dans son palais présidentiel, tu vas te dire, mais attends, c'est lui le président de la République ou bien quoi? Alpha, c'est un homme humble. Alpha, c'est son entourage qui l'a trompé. Et c'est les Mamadi Doumbouya. C'est les personnes là, parce qu'il sait, fallait tuer sur des gens. Fallait tout faire pour le barrer la route, pour qu'aujourd'hui, la situation qu'on est en train de vivre, qu'on vit ça. Mais pour eux que c'est Alpha, ils ont fait. C'est pas que Alpha Condé. Aujourd'hui, des milliers de Guinéens regrettent Alpha Condé. Si vous avez eu la chance que moi j'ai eu auprès de Alpha Condé, personne ne va en vouloir Alpha Condé. Celui-là, il peut témoigner. Il sait, j'ai haï Alpha Condé, j'ai détesté Alpha Condé. Fonike Menge, la même chose. Il n'y a pas ce que moi, je n'ai pas fait de Alpha Condé. Il n'y a pas cette manifestation que moi, je n'ai pas participé. Aujourd'hui, ça me fait mal. Wallahi billahi tallahi. Sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père, si moi, je n'avais pas un mandat d'arrêt et un mandat de condamnation, une condamnation, parce que voilà, une condamnation. Aujourd'hui, qui fait qu'une fois arrivé à l'aéroport, c'est de là-bas qu'ils vont m'amener à la maison centrale, donc je ne pourrais pas faire quelque chose. Si moi, je n'allais pas être en Guinée, combattre Mamadi Doumbouya, je ne suis pas l'enfant de mon père. Je vais aller. Je dis, il y a eu manifestation en République de Guinée. Quand moi, j'étais dans l'IFDG, tout le monde a vu comment il y avait les manifestations. Quand nous, on a quitté l'IFDG, on est venu au RPG. Quand on disait manifestation aussi, on a vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, mes frères de l'Axe, là, ils ont confiance en moi. Parce que je n'ai jamais accepté qu'ils s'affichent. Je n'ai jamais accepté de les afficher. Je n'ai jamais accepté de les... comment je vais dire? De les revendre. Sortir, dire avec qui. Mais on a travaillé sur l'Axe. Moi, je marchais sur la moto, sur l'Axe. Vous avez vu ça? C'est parce que les jeunes de l'Axe, moi, je ne parle pas des petites personnes qui se disent aujourd'hui jeunes de l'Axe, hein, les petites personnes là qui font le bruit. Là. Les gens de l'Axe, les vrais jeunes de l'Axe, ils me connaissent. Ils me connaissent tous. On a mené le combat ensemble. Et quand je suis venue au RPG, je les ai rencontrés tous. Et ce n'est pas à dire que je les ai rencontrés, moi, ceux-là. Si vous voyez aujourd'hui, moi, je parle d'Albert Damantan. Si vous voyez aujourd'hui, moi, je parle d'Albert Damantan, je dis, c'est mon frère. Alpha m'a confié Albert Damantan. C'est la seule personne, moi, à qui Alpha Condé a confié. Il dit, je te confie, c'est ta soeur, c'est ton frère. Travaillez ensemble.
Je ne suis pas venue pour dire à Albert Damantan, mon frère, voici les. Je veux aller voir les jeunes de l'Axe. J'ai fait venir tous les jeunes leaders de l'Axe. Ils ont tous rencontré Albert Damantan. On a fait des réunions. On ne les a pas demandé de rien. On les a juste dit de ne pas se mettre où il ne doit pas se mettre. De ne pas, c'est lui, Alpha, son ego, ils peuvent, c'est lui cherche le pouvoir, Alpha et le pouvoir, les deux là, ils peuvent s'opposer. Mais les autres là, un enfant de, qui n'a pas encore fait sa vie, quand toi tu dis tu vas te comparer à Alpha, tu vas faire la guerre à Alpha Condé, mais c'est toi qui es le perdant. Donc nous on a cherché à sensibiliser, moi, on a sensibilisé nos frères de l'Axe. Je les ai vus. Ils sont venus voir, et comment je vais dire, mon grand. Donc, à chaque fois, j'ai vu tous les jeunes de l'Axe. Je n'ai pas dit sortez, manifester. Tout ce que je les ai demandé, arrêtez de manifester. Il sait ce qu'on s'est dit. Albert Damantan, il est vivant, il est du RPG. Donc, on a changé la tendance. Et vous savez, vous-même, quand on parlait manifestation en Guinée, quand nous on est venu au RPG, les manifestations du passé et quand on est dans le RPG, est-ce que c'était pareil, c'était pas pareil? J'ai beaucoup contribué. Donc si moi aujourd'hui, parce que moi j'ai les stratégies, je suis la fille d'un vieux, moi Fatou. Mon papa m'a eu, il avait les 60 ans. Hein? Il avait près de 60 ans, quelques moins. Et quand il m'a eu, on était tout le temps ensemble. J'ai participé à beaucoup de réunions. De débats, Mamadou, paix à l'âme de Alpha Dionysia. J'étais petite, hein, mais très intelligente. Donc, je connais tellement de stratégies. Et quand on était dans l'IFDG, c'est ces stratégies-là que nous, on faisait. Chez nous, tout le monde connaît chez nous. Il y a les rails qui sont là. C'est moi. Chaque fois que tu venais, les rails sont vides. Parce que je venais prendre les sacs vides de cailloux. Sacs vides de riz. On met les cailloux, on met dans les pick-up, on remonte. Je dis, quand on dit demain, c'est manifestation, je remonte à 0h. À partir de 4h, on commence à barricader les routes. Et il n'y a pas de filmage. Hein. Je récupère les téléphones de tout le monde. Je mets dans un seau. Je mets dans la voiture. Je ferme. On finit de faire ce qu'on a à faire. 7h, 8h déjà, tout est bloqué, barricadé. Et puis chacun rentre chez lui. Et voilà, il n'y a pas de route. Donc si moi aujourd'hui, j'allais encore aller en Guinée, donner les stratégies, mettre tout en place. Maman dit, tu vas voir la Guinée, tu vas avoir peur. Je ne vais pas aller en Guinée, hein, mais je vais contribuer. Je ne viens pas en Guinée parce qu'aujourd'hui, ton vœu, c'est de me voir en Guinée et puis me mettre en prison, mettre Cellule en prison, mettre Alpha en prison, les Kassori sont en prison et puis qui va parler d'élection? Les ceux qui sont en prison actuellement, ils sont en prison. Moi, Nielo et Fatou, je suis en prison. C'est Loudaleng en prison. Après Alpha Condé aussi en prison. Qui va parler d'élection? Qui va chercher à bouger? IFDG en ce moment, leur souci, c'est comment récupérer leur leader dans tes mains. Nous autres RPG, leur souci, c'est comment récupérer nous, les Nielois, les cadres et puis le président. Donc c'est ça, on va t'oublier. Les gens vont chercher. En ce moment, tout ce que tu vas demander, c'est ce que les gens vont faire. Non seulement nous qui sommes en prison, toute décision, tout ce que tu vas nous demander de faire en prison là-bas, là, pour qu'on obtienne notre liberté, on va le faire. Donc du coup, mais comme Dieu ne dort pas, même moi seul là, je vais te rendre la vie impossible, Mamadi Doumbouya. Celui-là, là, Alpha Condé est sorti. Pour le cas de Alpha, ça, toi-même tu sais, l'envoyer en prison, c'est comme bonjour chez toi. Parce que quand j'entends certaines personnes dire « Ah, il n'y a pas ce juge, il n'y a pas ce tel. » Est-ce que vous connaissez c'est quoi une justice? Mamadi a eu le courage et l'audace
de mettre le nom d'Alpha Condé dans les crimes de sang. Il va avoir peur de quoi? Quand il a mis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Alpha Condé est dans les mains de Mamadi Doumbouya. Rien ne sort. Il le fait monter, il le fait descendre comme le drapeau. Qui d'entre vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a vu Kouroussa manifester pour dire il faut que tu libères Alpha Condé? Qui a vu Kankan manifester pour dire il faut que tu libères Alpha Condé? Qui a vu Sigiri manifester pour dire il faut que tu libères Alpha Condé? Pourtant, tout le monde sait, ce sont les vrais fiefs. C'est les fiefs. C'est les vrais. Quand tu entends RPG, RPG. Mais il y a des gens aujourd'hui qui font croire aux gens que c'est un coup de Alpha, que c'est rentré. Non, non, non. Ils veulent faire Maninkako, Manamana Kumakao. Écoutez ma soeur Matou, parce que vous savez, elle est malinké. Damaro, il est malinké. Konya, c'est la même chose. Si moi qui ai peur, je parle, vous pouvez voir genre parce que je ne connais pas aussi trop. Mais allez-y, écoutez ma soeur Matou. Matou ne peut pas vous détester. Tout ce que ma soeur Matou vous dit là, prenez, c'est ça la vérité. Mamadi n'aime pas les malinqués. Regardez la liste des retraites. Fonction publique. Armée. Qui sont plus dans l'armée? C'est les autres ethnies. Hein? Surtout le malinqué. Allez-y voir la liste des personnes retraitées, les noms. Qui sont à la retraite aujourd'hui? Damaro vous a dit ça. C'est pas moi. Hein? Damaro a dit ça. Regardez qui sont plus sur la liste des retraites. Qui travaillent, qui sont à la fonction publique. Les noms, regardez. Il y a plus de malinqués. Vous pouvez dire que Mamadi vous aime. Aucun malinqué ne doit être fier de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est l'échec. Mamadi Doumbouya, il est l'échec de la Guinée. Il est l'échec des malinqués. Donc, n'acceptez pas qu'il vous berne. Que les personnes qu'il a envoyées, ma Guinée d'abord, Damaro, bonjour, comment tu vas, champion? Ça va? N'acceptez pas que Mamadi Doumbouya vous fait croire que non, Maninkako, les Banamana Kumao. N'acceptez pas que si c'est un malinqué qui vous fait mal, ça, c'est pas un problème. On doit combattre le mal, que ce soit le malinqué, que ce soit le soussou, que ce soit le forestier, que ce soit le peul, n'importe. Le mal, c'est à combattre. L'injustice, c'est à combattre, même si c'est qui. C'est ce qu'on doit faire. Donc, Mamadi a dépêché des gens aujourd'hui, des gens à qui il a donné de l'argent, pour aller dire à nos mamans, à nos soeurs, à nos tontons, papas qui sont aujourd'hui à l'intérieur, pour leur dire que non, c'est un coup d'Alpha Condé. Alpha Condé, que moi je connais, il n'aime rien dans sa vie à part le pouvoir. Un jour, j'ai regardé Alpha, je dis, papa, je dis, hey, papa, vous êtes fatigué, j'étais là aussi. Tout ce que moi... C'est passé avec le président Kotosen Kounyela. Parce que moi, c'est lui que je venais voir. Kotosen Koumpe peut tout témoigner. Je dis, papa, vous êtes fatigué. Je dis, tu prenez le pouvoir, vous allez me donner. Il m'a dit, on m'a dit, hein, tu es venu, c'est mon pouvoir, tu es venu prendre. Je le taquinais. Il aime tellement le pouvoir. Vous avez vu le président qui ne se change même pas. Tout son souci, c'est comment travailler pour le peuple de Guinée. Comment changer la Guinée? Comment mettre des pions en République de Guinée? On ne peut pas parler d'un développement d'un pays, sans parler d'énergie. Il a investi pour l'énergie. On ne peut pas, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de courant. Donc, fallait, et vous-même, vous savez c'est quoi le courant? C'est quoi avoir le courant? C'est quoi avoir le courant dans un pays? On n'a pas de goudron. Pas beaucoup de goudron, mais le peu de goudron. Vous-même, vous savez que combien les goudrons coûtent quoi? Mais est-ce que... Et les autres pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous parlez, que, dont les gens disent qu'il y a les goudrons, oui. Mais est-ce que c'est les Ivoiriens en personne? Il y a les réels des Français?
C'est payant. Ils ont des réels payants. Le Sénégal, ils ont des réels payants. Mais nous, non. Parce que, en fait, moi, je pense que les présidents, les dirigeants de la Guinée, ils aiment tellement leur population qu'ils ne veulent rien que ce soit payant, en fait. Parce qu'ils peuvent prendre les projets, là, donner en France, donner à la Chine, donner aux riches, donner à n'importe. Ils vont venir investir, ils vont nous donner les goudrons, mais on va payer pour marcher. Et quand tu vas dire à un Guinéen, pour que tu passes sur ton territoire, il faut que tu payes. Hein? Vous-même, vous savez comment est le pays. Mais on va dire non. Si aujourd'hui, Mamadi Doumbouya qui a fait croire à l'opinion nationale et internationale que lui, il est un cadeau du ciel, qu'il était en haut, il est descendu pour sauver le Guinée. Et aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde a vu ce qu'il est en train de faire, le mal qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, personne ne mange à sa faim. Les gens souffrent. Le Guinéen souffre. Le Guinéen pleure. Tout ce qui était à 30 000 est allé à 100 000. Le carburant, quand il est venu, il nous a fait croire que non. C'est le gouvernement qui était là qui n'était pas bon. C'est Alpha Condé qui n'est pas bien. Il est venu faire descendre le carburant. Et aujourd'hui, il remonte le carburant. Et quelqu'un, un petit du pays, qui se voit mécontent, parce qu'avec la situation qui se passe, et il sort pour manifester parce qu'il n'est pas content, c'est pas un opposant qui l'a demandé de sortir, c'est pas les forces vives, personne, il a fait parce que c'est son droit de manifester quand il n'est pas content, quand il y a l'injustice, quand il y a l'abus de pouvoir sur nous. Chacun est libre de manifester son mécontentement. Et puis il sort vous tirer sur lui. Moi, j'ai dit ici, les tueurs, là, c'est vous. Mamadi Doumbouya, c'est toi et ton équipe qui a tué. 22 janvier, au stade, c'est vous qui sont, vous, là, qui sont au pouvoir aujourd'hui, là. Vous, les militaires, là, c'est vous qui avez tiré sur les enfants d'autrui. 28 septembre, vous, aujourd'hui, qui sont, vous, là, qui sont au pouvoir, là, c'est vous qui avez tiré sur les enfants d'autrui. Ils ont leur droit de sortir manifester, dire que, ouais, ils sont pas contents. Les policiers et les gendarmes que Alpha Condé déployait, ils n'étaient pas armés. C'est vous les bérets rouges de force spéciale là. Vous là, Mamadi Doumbouya et ton clan là. Et aujourd'hui, vous qui sont là, là, les bérets rouges qui commandent là. C'est vous qui avez tiré sur les enfants d'autrui. Je suis sortie ici, j'ai dit la dernière fois, je dis c'est vous les criminels. Aujourd'hui, on est où? C'est parce que vous venez de prouver au monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est le gouvernement de Alpha Condé qui est là? Docteur Kassori, il est où? Docteur Diané, il est où? Amadou Damaro, il est où? Albert Damantang, il est où? Ibrahima Kourouma est où? Oye Gilavogui est où? Nos autres ex-ministres là, ils sont où? Ah, donc si c'est eux qui tuaient là, personne n'allait mourir. Moi, j'ai toujours dit, c'est toi. Dieu ne dort pas. Dieu nous a montré, ouais, Dieu a montré à ceux qui pensaient que c'est Alpha Condé qui a tiré sur les gens, ou qui a ordonné de tirer sur quelqu'un, ou c'est Kassori, ou c'est Docteur Diané, ou c'est Oye Gilavogui, ou c'est Honorable, ou c'est Albert Damantan, ou c'est Ibrahim Kourouma, ou c'est tous les autres là. Aujourd'hui, ils sont où? Comme si c'était eux qui ordonnaient là. Moi, je pense que personne n'allait tomber. Donc, le peuple de Guinée a vu aujourd'hui les vrais tueurs. C'est vous. Hier, vous avez tué les gens, vous n'étiez pas au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous tuez les gens. Vous continuez. Vous êtes allé au cimetière de Bambeto. Il y a eu des militaires qui ont pleuré parce qu'il y avait... Il s'est dit, j'ai des victimes ici. Tu peux mentir à tout un chacun, hein? Mais Dieu, là, tu ne peux pas mentir. Et quand tu fais du mal, ta conscience, là, ça va te frapper. Tu peux ne rien dire. Tu peux tuer quelqu'un ici, te calmer et sans rien dire. Mais mon frère, quand ta conscience, là, c'est ce qui va te détruire.
Aujourd'hui, vous êtes allé au cimetière. Vous avez pleuré. Vous êtes allé prier, demander pardon. Mais les personnes que vous avez tuées là, tôt ou tard, si vous ne répondez pas ici, devant Dieu, vous allez répondre. Maman dit, le monde t'a vu, tu es un criminel. Le monde t'a vu, tu as tiré sur les gens ici à Kindia. Le monde t'a vu en train de tirer les cadavres. Le 5 septembre, tu as tué des gens. Où sont les corps? Au moins, les victimes de Bambeto aujourd'hui, leur famille, il n'y a pas ce victime qui n'a pas été enterré. Les victimes de Bambeto aujourd'hui, pourquoi on parle du cimetière de Bambeto? Il y a combien de personnes qui sont couchées à Bambeto? Mais aujourd'hui, toute personne qui veut voir, qui veut aller faire des prières pour son enfant, pour son cousin, pour son frère, pour son neveu, il sait où aller. Il y a Bambeto. C'est là qu'ils sont enterrés. Et eux tous là, leur nom est écrit. Donc ils vont venir rentrer, faire les prières pour eux. Mais toi aujourd'hui, Maman dit Doumbouya, seules les personnes que tu as tuées le 5 septembre, les personnes sur qui tu as tiré le 5 septembre, les 100 et quelques personnes, 130, près de 150 personnes tombées au palais Sékou-Touré-A, où sont les corps? La mort là, on sait, on va tous mourir. Est-ce que Dieu a prescrit pour nous là, la façon dont on va rentrer chez lui là, c'est comme ça? Moi aujourd'hui, les gens peuvent sortir manifester. Et que moi je reste ici en train de faire mon direct devant vous ici, Dieu reprend ma vie. Il reprend ma vie et puis je meurs. Ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas sortie, non. La façon dont Dieu a prescrit avant que tu ne sois créé même, la façon dont tu vas rentrer, si c'est dans l'accident, si c'est dans... On va tous prier Dieu qu'Allah nous donne une bonne fin. Oui. Mais ça n'empêche ce qu'il a prescrit pour nous, lui Dieu. Ce qu'il a décidé de nous là, c'est comme ça on va rentrer. Donc toutes les personnes que Dieu va dire que ouais, vous c'est dans les manifestations, vous allez rentrer. Vous allez partir, vous allez mourir dans les manifestations. On n'a pas de choix. Peu importe, on va mourir. Mais toi, Mamadi Doumbouya, tu vas répondre. Ils sont où les corps des personnes le 5 septembre? Où sont les corps? Je suis tellement dessus de la radio Espace FM. Quand j'ai vu le soi-disant qui aujourd'hui parlait, sauf il veut manger les gens. Je dis, c'est vous qui avez détruit la Guinée. C'est vous qui avez envoyé l'ethnocentrisme en Guinée. Vous, les journalistes de Espace FM. On ne peut qu'enlever peut-être un ou deux personnes. C'est vous qui avez installé la haine, la division. C'est vous qui avez poussé ces loudalins à se victimiser. Aujourd'hui, vous l'avez lâché. Vous avez utilisé celle et son IFTG. Vous étiez où quand vous parlez des manifestations, quand vous voulez tout prendre, mettre sur Alpha et nos leaders? Alors aujourd'hui, c'est votre président Mamadi Doumbouya, vous les journalistes de Espace FM. Aujourd'hui, c'est votre Mamadi Doumbouya, votre président. La perte, parce que vous savez, les personnes qu'on a tuées là, si vous voyez que 1m20 Moussa Moïse est nommé, c'est parce que Doumbouya sait, il est tombé sur ça, il a vu les corps, il a vu plein de choses. Donc pour ne pas que le gars là parle, pour ne pas qu'il ouvre sa bouche là, il va parler. Il a envoyé, il a nommé. Mais moi je suis très contente aujourd'hui. Parce que la façon dont il y a une liste là, pour dire c'est Alpha Condé et les ministres là. Il y aura une liste. Toi, Moussa Moïse, tu vas participer. Ousmane Gawal va participer. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont avec Mamadi Doumbouya, vous allez tous participer. La liste là, vous serez dedans. Amara va être dedans. Idi Amin va être dedans. Déjà, c'est les gendarmes de Bala Samoura qui a tiré sur le petit. J'ai dit, c'est vous les dictateurs
Doumbouya, moi, m'a dit que c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui m'a dit. Hein. Il me dit c'est lui qui donne l'ordre. Si je l'ai accusé, qu'Allah ne me montre pas mon enfant et ma mère en Guinée. Il me dit c'est lui qui donne l'ordre. Donc tout ce qui se passe, moi, je sais, c'est lui. Et c'est lui-même qui m'a dit. Comme c'est lui qui donne l'ordre, il a ordonné qu'on arrête nos cadres. Il a ordonné qu'on fait des poursuites judiciaires, crimes de sang contre nos cadres. Et il a ordonné hier encore d'aller tirer sur un petit qui est sorti dire son mécontentement. Je dis, vous allez tuer les gens parce que les gens vont sortir. Et je vais dire aux jeunes de l'Axe qu'est-ce qu'ils vont faire. En faisant une manifestation, ne activez pas les directs. Levez-vous la nuit. Allez-y, barricadez comme ce qu'on faisait dans le passé. C'est moi qui calmais les gens. Hein. J'ai calmé plein de gens. Ils savent comment je faisais. Je ne vais pas dire ça ici. Mais je ne vais plus me mettre moi ma bouche là. Par contre, maintenant, je vais contribuer. Ce que vous, vous voulez, là, on va le faire. Des dictateurs sanguinaires comme ça, vous pensez parce que vous avez les armes. Hé, tu n'es pas plus fort que Dadis. Tu vas tirer, tu auras 500 personnes sur toi. Les 500 personnes là, ça ne va rien changer des Guinéennes. Dieu a voulu que c'est ça. Mais tu vas partir. Même moi, si c'est dans ça, je vais mourir là. Hein? Je suis sacrifié. Si quand moi je meurs tout à l'heure, les Guinéens seront libres. Donc tu vas partir, toi, Mamadi Doumbouya. La démocratie va s'installer en Guinée. Qu'Allah reprend ma vie. Pour que vous autres là, vous vivez tranquille. Donc, personne n'aura peur de la mort. Surtout mourir pour la vérité. Mourir pour une démocratie. Mourir parce qu'on en a marre des assassins et des bandits. Toi, tu peux nous interdire de manifester. Tu es qui? Tu penses que la Guinée, c'est ton téléphone? Tu penses que la Guinée, c'est l'héritage de tes parents? Tu penses que la Guinée, je ne sais, c'est tes fétiches que tu portes? Tu penses que la Guinée... Parce que même tes enfants, à un moment donné, tu n'as pas certaines notes à leur donner, à plus forte raison. Tu penses que la Guinée est quoi, ton stylo? Maman dit, tu vas partir. Si tu as pensé que prendre Kangel, Alpha Bakar et Ousmane Gawal, eux là, ils peuvent... Gawal était où? Kangel était où toutes ces années-là? Il était où? Alpha Bakar, Gawal, quoi? Gorko Sousse, c'est grâce aux jeunes de l'Axe qui l'ont fait de Gorko Sousse. Hein? Sinon, rien. On l'a vu ici prendre l'ardoise comme ça, et puis on l'a pris en photo. Il s'est dit Gorko Sousse, mais hein? J'ai entendu Gawal dire aujourd'hui, Ousmane Gawal, arrête, tu sais, moi j'ai décidé, toi et moi, c'est la famille, on est une famille. Rien ne peut changer ça. Et j'ai prouvé, hein, quand tu étais en prison sous le régime de Alpha Condé, moi et Ansou Damaro et Moussa Dégébou, on a toujours demandé que Dieu vous redonne votre liberté. On a toujours demandé à nos responsables de vous donner votre liberté. Et Moussa Dégébou l'a fait, Damaro l'a fait, j'ai fait. Quand j'ai demandé pardon pour... Madix sans frontières, j'ai parlé de toi. Donc, voilà. Je ne suis pas cette personne qui, parce que je suis avec le pouvoir et que je veux demander pardon pour une personne, je vais dire non, comme c'est le pouvoir que je soutiens. Donc, non. Moi, je pense même, quand tu es avec des gens, c'est ça aussi, être avec un pouvoir. C'est d'aider les personnes qui ne sont pas avec vous. C'est de soutenir, chercher à réconcilier, chercher à trouver des solutions. Gawal, Ousmane, moi je suis sortie, j'ai dit vraiment, je t'ai... Donc toi et moi, la politique ne va jamais nous séparer. Jamais plus grand jamais, à moins que toi, tu veux. Mais moi, je ne vais jamais cautionner que la politique nous sépare. Mais je t'ai entendu parler, je suis dessus de toi. Ousmane Gawal, de toi à moi, tu jures sur le Coran et sur le Ramadan dont tu viens de terminer. Quelle force vive les 36 mois dont tu parles. Quelle force vive.
Quels sont les partis politiques? Quels sont les partis politiques qui ont décidé de votre 36 là, 36 et 36, 36 mois là? Tu parles de quel parti politique? Il n'y a que trois partis politiques en République de Guinée. Le reste là, ce n'est pas des partis politiques. Hein. Et on ne peut pas parler de n'importe quel parti politique, laisser les trois partis politiques. Aucun pays, aucun, ni la CEDEAO, ni la communauté nationale et internationale ne va accompagner une élection libre et transparente sans les trois partis politiques là. Et surtout sans deux partis politiques, le RPG, l'IFDG et puis l'IFR. IFR, on peut parler, pense, parce que maintenant, il n'y a pas, voilà. Mais aussi, voilà, ils sont structurés. Hein. C'est quoi un parti politique? Le RPG est implanté dans les 33 préfectures. L'IFDG est implanté dans les 33 préfectures de la Guinée. Et c'est le RPG est implanté partout dans le monde. L'IFDG est implanté partout dans le monde. De quel parti politique vous pouvez nous parler? Des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Des partis politiques qui n'ont que leur sac et leur téléphone. Qui ont eu l'agrément parce que on est dans un pays... Il y a la démocratie. Des gens qui ont eu... Il y a même des gens qui... Ah non, mais quand même. Quel parti politique, Ousmane Gawal? Tu nous parles de quel parti politique? Quelle force vive? Aujourd'hui, les soi-disant sociétés civiles qui sont tous nommées, qui va pisser là où il mange? Qui va pisser là où il boit? Les soi-disant forces vives là. On ne veut pas. Le FNDC, on a vu le FNDC ici. De 2018, de nos jours, l'opposition, toi-même Ousmane Gawal, tu fais partir du FNDC. Toi-même Ousmane Gawal, tu as participé aux marches de FNDC. FNDC a dit 2 ans et à partir du 5. IFDG a dit 15 mois, le RPG a dit 16 mois ou 15 mois, j'ai oublié. Maintenant, FNDC aujourd'hui qui est, que toi-même tu as apprécié, que toi-même tu t'es dit fier. Aujourd'hui, eux, ils ont dit 2 ans. Le RPG a suspendu tout. IFDG a suspendu tout. IFR a suspendu tout. Mais de quelle force vive vous allez parler? Ousmane Gawal, arrête. Il faut savoir quoi dire dans la vie. Les paroles là, ça rattrape. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est un pouvoir qui n'a pas longue vie. Même si le peuple de Guinée accordait 3 ans à Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui rêve après 3 ans, toi, ta carrière est enterrée? Qui rêve après 3 ans, ta vie, elle est foutue? Qui rêve après 3 ans, tu n'as plus droit à vivre bien, en fait. Qui rêve après 3 ans? Tu es dans les 4 murs. Qui rêve ça? Même vos 3 ans que vous voulez aujourd'hui imposer au peuple de Guinée, même si le peuple acceptait ça, est-ce que vous savez, ça c'est pour bientôt, est-ce que vous savez, on est en mois de juin. Nous sommes on est le 2 aujourd'hui, le 2 juin. 2023 vient maintenant, bientôt, hein. On est en juin. Janvier qui est rentré hier. Moi, je suis rentré ici en janvier. Janvier, j'étais ici, j'étais rentré en Guinée. Et à Stafoula et aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle de juin. Ça passe tellement vite quand on est en bonne santé. Je dis, il faut faire attention. Ousmane Gawal, tu ne peux pas tromper l'opinion nationale et internationale. Tu ne peux pas tromper la CEDEAO. Tu ne peux pas tromper nous, le peuple de Guinée. Tu ne peux pas tromper nos frères et sœurs africains qui observent, qui regardent la Guinée. C'est vous,
les chercheurs de poste. C'est vous, les chercheurs de l'argent. C'est vous qui voulez de détourner aujourd'hui le pays, là. Prendre l'argent, charger derrière dans cette transition-là. C'est vous qui êtes avec Mamadi Doumbouya. C'est vous qui n'avez pas de l'avenir pour demain, là. C'est vous qui ne rêvez pas trop, là. C'est vous qui ne voulez pas être quelque chose demain dans ce pays, là. C'est vous qui soutenez Doumbouya aujourd'hui. Parce que vous savez que si ce n'est pas Doumbouya, on ne peut vous mettre nulle part. Il y a quand même Mamadi Doumbouya qui peut mettre un gouvernement de bidon vide. Il y a que je dis, les 100% de personnes nommées aujourd'hui, c'est 20% qui est nommé par mérite. Les 80% sont nommés par récompense. Ils sont nommés pour ne pas que leur gueule qui est grande là, que ça se boucle, pour ne pas qu'ils disent quelque chose. Ils ne méritent rien. Ce n'est pas des diplômés. Ils sont nommés pour ne pas qu'ils parlent. Qui a plus de gueule, plus que Moussa Moïse, le M20 là? Il parle aujourd'hui, qui l'entend parler? Aujourd'hui, il dit à ses amis, gueulards, qui se trouvent dans l'espace FM, des personnes qui ont diabolisé Alpha Condé, des personnes qui ont diabolisé le RPG, les personnes qui ont diabolisé nos cadres. Aujourd'hui, il y a un diable, je ne vais même pas dire le mot là, un diable, un criminel qui est Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, les imbéciles, je dis bien, certaines personnes imbéciles qui s'assoient aujourd'hui dans le studio d'Espace FM, ils ouvrent leur sale gueule qui sale là pour défendre ce bandit qui est Mamadi Doumbouya. Qui défendent ce assassin qui est Mamadi Doumbouya. Parce que tout simplement, Moussa Moïse a reçu l'argent et il a distribué aux gens là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous eu des belles voitures. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous eu des maisons. Parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé, oui, Doumbouya a tout pris, a mis à leur disposition. Aujourd'hui, c'est eux qui décident de tout ce qui doit se passer en Guinée. Parce que pour eux, que c'est des personnes qui connaissent tout. Ils connaissent quoi? Qui est diplômé entre eux là-bas? Qu'est-ce qu'ils connaissent à part le journalisme? Et ils ne sont même pas des journalistes. Parce que c'est quoi un journaliste? Un investigateur. Un journaliste ne doit pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Un journaliste ne doit pas prendre position. Un journaliste ne doit pas défendre le mensonge. Un journaliste doit défendre la vérité, même si c'est sur lui ou même ses parents. Mais il dit la vérité. Vous parlez de quel journalisme? Aujourd'hui, en République de Guinée, la radio qui est là aujourd'hui. Hein? Maintenant, même dans le film, là, les personnes qui sont payées par Doumbouya, on les reconnaît. Dès que tu veux parler de Doumbouya, non, ils n'acceptent même pas. Ceux qui ne sont pas payés, ceux qui n'ont pas accepté de vendre leur dignité, ceux qui ont préféré le peuple, eux aussi, on les entend. On vous écoute, hein? Et n'oubliez pas, tout ce que vous allez dire là, ça va rester. Demain, là, quand on vous entend encore dire autre chose, vous allez nous voir devant vous. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous, au juste? Donc, Ousmane Gawal, on est désolé. Ceux qui sont avec vous, ceux qui vous soutiennent aujourd'hui, là, ceux qui ont ordonné pour les 36 mois, là, ça, c'est vous, les chercheurs de poste. C'est vous, les chercheurs de quotidien. C'est vous, les personnes sans dignité qui sont avec Mamadi Doumbouya. C'est vous, les démagogues. C'est vous, les petites personnes. C'est vous qui n'a pas d'avenir. C'est vous qui savez que ouais, vous n'avez pas de diplôme. C'est vous qui savez que demain là, vous ne pouvez pas être quelque chose dans ce pays. Vous n'êtes rien, sauf des bonnes à rien. Donc il faut profiter de cette transition, chercher ce que vous avez. Et demain, tu vas te retourner dans l'opposition. Et dans tout ça là, je vais te dire, le plus perdant c'est toi, Ousmane Gawal. Parce que Doumbouya va t'utiliser, il va te jeter comme une vieille valise. Et tu vas revenir dire quoi encore? C'est maintenant que tu devrais t'opposer à ce pouvoir bandit-là. Alpha, c'est un président démocratiquement élu. C'est le peuple de Guinée qui a voté pour Alpha Condé. C'est les urnes qui l'ont élu. Oui. Tu t'es opposé à cet homme. Maintenant, aujourd'hui, le bandit qui était là, qui parle de troisième mandat. Quel troisième mandat? Mamadi Doumbouya qui a sécurisé nous, nos votes.
Mamadi Doumbouya, c'est à cause de troisième mandat là même Mamadi Doumbouya a été envoyé. Depuis la Guinée, on a entendu de parler de quoi? Je ne veux pas dire le mot là parce qu'ils peuvent bloquer. Ma page, elle est tellement signalée qu'il y a ces mots. Dès que je dis ici, je vais perdre la page. Mais vous savez pourquoi ils ont dit que force spéciale a été créée pour lutter contre, je ne sais. C'est pas que ça. Mamadi a été créée pour sécuriser les élections, la nouvelle constitution. Vous étiez où? Quand nous, et moi je suis fière, j'assume aussi, je dis, si ça est à refaire tout ce que j'ai fait pour Alpha Condé, je suis prête à le faire. Mais par Alpha Condé, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. C'est Alpha Condé mon honneur, mon bonheur. Alpha nous a aimés, donc c'est la monnaie que je suis en train de lui rendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Fatou, tu m'as déçu. Je ne t'ai pas déçu, sinon, moi, si tu es fâché contre moi, il faut couper ma respiration. Moi, je pense que si tu es fâché contre moi, là, coupe ma respiration. Tu es Dieu. Ça va m'empêcher de vivre. Ça va m'empêcher ici de me lever le matin, me doucher. Ça va m'empêcher de faire des prières. Ça va m'empêcher d'aller à l'école. Ça va m'empêcher de manger. Ça va m'empêcher quoi, en fait? Ou de m'habiller? Si j'étais dessus, là, c'est moi qui est plus dessus. Parce que tu ne dis pas la vérité. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Parce que tu es un ethno, c'est tout. Sinon, ce que nous, on a subi, nous, les nielleux, là, hein, personne n'a subi. Même toi qui as dit que j'étais dessus, là, tu n'as pas subi ça. Donc, Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il va nous faire, là, nous, c'est de laisser, quoi, et puis l'accompagner. Avec tout le mal. Et surtout des personnes à qui il voulait faire. Nous, il a voulu nous faire du mal. Aujourd'hui, je dis, tout ce que je suis en train de faire, je fais exprès de le faire. J'ai bien fait. Je le fais pour d'abord la maman de Doumbouya. Que j'ai entendu avec mes oreilles pour dire qu'il ne faut pas que les gens nous approchent à son fils parce que nos parents peuvent ne veulent pas de nous. Oui. Et moi, je m'assois pour dire à chaque fois que Alpha Condé n'a qu'à libérer Alpha Condé. Et je sais, il disait aux gens là, et vous savez, si Alpha Condé, c'est Doumbouya, elle appelle Alpha Condé, si Alpha Condé libère Alpha Condé, vous savez ce qu'Alpha va faire de Alpha Thomas. Et puis encore, elle dit que moi, Fatou, il y a une dame, elle est témoin, elle est à Sigiri. Elles sont à Sigiri là-bas. Ouais. Il y a d'autres femmes qui sont à Kanka, elles sont témoins, elles peuvent témoigner. Mais on n'est pas là pour mettre leur vie en danger. Et que moi, je m'assois ici sur les réseaux sociaux. Je dis, voilà, à Alpha Condé de libérer Alpha, que si Alpha Condé libère Alpha, c'est comme Alpha Condé va faire de Alpha, ça c'est un. Et que nous, on est Molobali, Kolobali. Et nous, notre communauté, Foulal Tal fait. Les peuples ne nous aiment pas. Donc si nous, on est avec son enfant, les peuples vont détester son enfant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mon frère et moi que les peuples dont vous parlez là. Hein? Qui a détesté votre enfant. C'est pas à cause de nous. Vous allez tout dire, mais vous n'allez pas dire c'est à cause de nous, parce qu'on l'a approché, que les peuples sont là en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire à votre Mamadi Doumbouya. Après aussi, loin, elle dit que moi, partout où je m'assois, je dis que c'est Alpha le président. Donc, comme c'est Alpha le président, Alpha, comme Alpha le mansade, Alpha ya do kebla. Mamadi Sorona, Mouabrete de, nka amen tolo flia. Mouabrete Thérèse, wofana nka fo, ah, non, Fatou fana yowa kasso, Fatou aussi n'a qu'à aller en prison. Quand elle va aller rejoindre son frère, maintenant, quand les peuples vont se révolter contre Doumbouya, on va les faire sortir et puis on va les utiliser contre ses parents peuples. Cela, vous avez tout gâté. Cela, j'ai craché votre Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas ce homme qui peut moi m'utiliser. Et je suis en train de vous montrer. Et puis je vous ai dit depuis jeudi, moi et Doumbouya là.
Les peuls dont vous parlez là, c'est moi, ils vont prendre. Je vous ai dit, les peuls, ils peuvent tout. Ils peuvent ne pas pardonner une autre personne, mais leurs parents là, ils vont toujours pardonner leurs parents. Et moi, c'est pas eux qui m'ont rejeté, c'est moi qui ai quitté, qui est parti parce que leur façon de faire la chose, je n'aime pas. Et c'est pas tous les peuls, c'est IFDG. Je suis peul. Ma mère n'est pas peul, mais mon père, il est peul. J'ai des oncles peul. J'ai des oncles paternels peuls, mes oncles paternels c'est des peuls, mes tantes paternelles c'est des peuls. J'ai des frères et sœurs, même mère, même père c'est des peuls. J'ai des cousins peuls, eux ils peuvent pas moi me détester. Donc même si c'est à cause que nous, non, nous seulement là. Et je vais vous dire, il y a des peuls ici qui n'aiment même pas sentir ces loups dans l'insa, je vous dis. Je les reconnais tous. Donc c'est pas tous les peuls qui n'aiment pas, qui ne nous aiment pas. Il y a que l'IFDG, et puis ils ont raison aussi. Parce que c'est moi, j'étais là-bas, j'ai quitté, je suis partie. Et ils ont vu, ah, ya, on l'a négligée, on ne connaissait pas quelle était cette femme. Qu'elle a, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y a que les vrais gens, les vrais, les bureaux politiques et ces lois. Personne qui sait combien de fois je suis une femme battante, courageuse et engagée. Je n'ai jamais eu peur. Je dis, je n'ai pas été créée le temps du peur. Non, non, non. Moi. Avoir peur. Quand Dieu a créé, la peur, moi, je t'ai pas. Je t'ai déjà créé. Parce que je connais pas la peur, moi. Ce qui me différencie aux autres, c'est quand tu nous aimes. C'est quand tu nous respectes. C'est quand tu nous considères. On va t'aimer, on va te respecter, on va te considérer. C'est ce qui nous différencie. Et quand tu nous aimes, on va te rendre la monnaie. On va t'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Quand tu nous fais une seule fois un bien, on va te payer. Même si demain tu nous fais 10 fois le mal, on va te payer, nous, par le bien. Tu nous fais du mal. Notre papa nous a dit, quand on vous fait du mal, ne payez pas le mal par le mal. Vous voulez imiter le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Vous voulez être parmi les hommes de Dieu. Vous voulez être parmi les personnes de paradis. Oui. Alors ne payez pas le mal par le mal. La personne qui vous fait mal, vous, à votre tour, ne le payez pas. Et si vous voyez demain une autre personne qui est là en train de faire du mal, à la personne qui vous a fait du mal, n'applaudissez pas. Il dit, vous serez parmi les personnes que Dieu aime et que le prophète aime. Le prophète Mohammed, paix salut sur lui, quand on l'a frappé, chassé, parce que c'est ça, insulté, humilié, à la Mecque, ils ont voulu le frapper. Ils l'ont insulté, ils l'ont humilié, ils l'ont monté tous les coups à la Mecque. Il a fui, il est allé à Médine. Dieu l'a demandé. Qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là? Il dit, il faut les changer. Il faut les c'est que ils n'ont qu'à redevenir des bonnes personnes. Parce que tant que c'est des faiseurs du mal, ils vont toujours continuer à faire du mal. Il a pardonné. Et donc, nous, c'est ça. Aujourd'hui, hier, on parlait de moi, de mon mandat d'arrêt. On parlait, moi, de ma convocation. Aujourd'hui, on parle de la convocation de Selou Dalé. Aujourd'hui, on parle de décerner un mandat contre Selou. Aujourd'hui, on dit du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est moi qui devrais être très contente ici. Danser même. Parler, dire, ouais, parce que c'est nous qui avons subi. Personne d'entre vous, malgré tous les attaques, les injures, tout ce que vous avez fait de Selou et de l'IFDG, personne d'entre vous n'a payé le prix. C'est nous qui avons payé le prix. J'ai quitté, la Guinée avec mon sac. J'ai quitté la Guinée, je n'avais pas un dollar. Je suis rentrée aux États-Unis avec 52 000 qui étaient dans mon sac. Les 52 000 sont ici, là. C'est avec ça que je suis rentrée aux États-Unis. Rien du tout. J'ai quitté. Ma mère est tombée malade. Les gens sont tombés malades à cause de moi. La pression, la tension qui était là. Les gens ont voulu me tuer. Bala a voulu me tuer. Ils m'ont appelé pour me dire que quelqu'un m'appelle et me dit, il y a des gens de l'IFDG qui veulent te tuer. L'autre dit, les hommes de Bala, peu importe. J'allais mourir là-bas, même si c'était Bala là. On allait tous mettre sur l'IFDG. Donc ils ont voulu me tuer. Oui, IFDG et Bala Samoura. Aujourd'hui, quand je voyais Bala parler avec les gens là, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est dessus que Selou et sa famille. Quand je dis sa famille, vous savez de qui je parle.
parce que pour eux que Bala était venu pour les aider. Moi, je sais si j'avais accepté certaines choses. Aujourd'hui, c'est moi qui devrais être contente, danser. Parce que là où je vous parle, mon frère, il est en prison. Je sais qu'ils ne sont pas prêts à libérer mon frère. Ça, moi, je sais. Quand j'entends certaines personnes parler, ça me fait juste rire. J'ai tellement entendu des choses que moi, je sais le jour où Dieu va dire ton... C'est qu'aujourd'hui, là, c'est fini, tu vas sortir ici, même si c'est qui, il va partir. Mais tant que ces jours-là encore sont mangés là, tant que sa chance est dans la cour de maison centrale, même si c'est qui descend, il va rester encore. Moi, je suis croyante. Aujourd'hui, tout le monde, sinon, savait. Il était condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme à cause d'un jeu, à cause de la plainte d'une femme. Bala Samoura a tout fait pour qu'on garde mon frère en prison. Bala Samoura a tout fait pour que nous soyons loin du CNRD. Bon, tu nous as aidé beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui, j'allais être encore dans le, je ne sais pas. J'allais me tuer ici à cause d'un imbécile qui est Mamadi Doumbouya. Parce que aujourd'hui, là, IFDG n'allait même pas oser dire un mot. Ils allaient me voir encore devant eux. Mais comme j'aime la baraka de mes parents, comme Dieu sait que les gens-là ne m'aiment pas, c'est pour m'utiliser. Alpha ne nous a jamais utilisés. Il n'a jamais applaudi ce que nous on faisait. Il nous a toujours dit, je n'aime pas ce que vous faites, arrêtez. Et les mêmes personnes qui l'entouraient partaient nous diffamer sur Alpha Condé pour dire Alpha Condé, les enfants là, c'est comme ça, c'est comme ça. Si Alpha Condé n'était pas quelqu'un sincère, qui était humble, qui nous aimait, on allait être la honte. On allait faire de nous des chiffons dans le RPG. Mais Alpha nous a dit, regarde-moi. C'est ce que moi j'ai dit à tous les ministres. Je les aime beaucoup, c'est mes frères. Mais je les ai dit, nous avons le même patron. C'est ce que je disais même aux généraux, là, quand ils pouvaient me dire, hey, nous, on a le même patron, vous êtes mes frères, mais on a le même patron, attention. Et c'est ça, on a le même patron qui est Alpha Condé. Il y a eu des clans dans le RPG, dans le pouvoir de Alpha Condé, mais nous, notre clan, c'était Alpha Condé. C'est lui, on connaît. Que Alpha Condé, moi, en tout cas. C'est Alpha Condé, je connais. Le reste, là, quand je les revois dans les meetings, je les salue. Il y a des ministres, je les ai jamais vus à part. Dans les cérémonies de RPG, je les vois à distance. On se dit bonjour. Et puis, je ne sais même pas c'est quel ministre. Quoi. Ils sont dans quel ministère. Je ne me rappelle pas avoir vu Oye un jour. Il y a des ministres. Diakaria Koulibaly. C'est quand il n'est plus ministre, je l'ai vu ici. Sinon, je le connaissais même. Je ne l'ai jamais vu tout le temps qu'il était ministre. C'est après ça que je l'ai vu. Donc, si aujourd'hui, la famille de Doumbouya, écoutez, hein, votre enfant a tué encore, de nouveau. Moi, je suis condamnée à injure. Votre enfant a tué encore un jeune sur l'axe. C'est votre enfant qui a tué toutes les personnes qui sont tuées dans Conakry. Il a tué des gens le 5 septembre, on ne parle pas de ça. On ne sait même pas où se trouvent les corps des gens là aujourd'hui. Il a tout pris, il a mis sur Alpha Condé. Dieu ne dort pas. Moi je vous ai dit, l'assassin c'est Mamadi Doumbouya, le criminel c'est Mamadi Doumbouya. Donc, Mamadi, tu vas partir. Parce qu'on n'a pas peur, on n'aura pas peur. Si tu penses que cette dictature que qui est en toi, tu vas intimider quelqu'un. Si tu penses que tu vas compter sur Ousmane Gawal pour qu'il sorte, il raconte du n'importe quoi et que nous, on va accepter ça, consommer ça, on va venir vous démentir ici, A plus 1. A plus A, M plus 1. Vous ne pouvez pas venir nous raconter du n'importe quoi. On ne va pas accepter. Ousmane Gawal peut s'asseoir. Dire à la communauté nationale et internationale que votre 36 mois, que c'est l'accord des forces vives des partis politiques. Mais c'est une honte, c'est une insulte. Ousmane Gawal, fais attention. Fais attention. Fais attention à toi. Actuellement, il y a des leçons. Le peuple doit... Il y a des cours qu'on doit prendre, en fait. Les hommes forts d'hier, aujourd'hui, ils sont où? Et qui habille les gens là-haut? C'est vrai, Doumbouya pense qu'en les mettant en prison, il les a affaiblis.
Non. Parce qu'ils n'ont pas volé. S'ils avaient volé, si tu avais prouvé au monde qu'ils ont volé, c'était une honte aujourd'hui. C'était une déception de leur part. Mais montre-nous ce qu'ils ont volé. Dis à ta radio espace de faire sortir les documents. De nous montrer les preuves qu'ils ont volé. Ils n'ont pas volé. Ils sont en prison parce que tu veux les détruire politiquement. Oui. Il faut le faire. Moi, aujourd'hui, seul n'ira pas en prison. Parce qu'il ne part pas en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a vendu quelque chose. Vous voulez l'envoyer en prison parce que vous voulez détruire sa carrière politique, c'est tout. Nous, quand on est allé aux élections ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Selou a dit qu'il ne part pas, quand la CEDEAO est venue dire qu'eux-mêmes, ils ne vont pas participer, nous-mêmes, on voulait que Selou participe. Donc, tout ce qu'ils ont demandé là, le fichier là, on a accepté, on est allé deux fois au report pour que l'IFDG participe. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que ils vont supprimer l'IFDG et puis ils vont garder le RPG, c'est parce que vous ne connaissez pas la politique. Et moi, ici, là, je ne vais pas venir tout dire ici. Le moment venu, vous allez comprendre c'est quoi la politique. Doumbouya va prendre le pouvoir donné au RPG, lui, Doumbouya. Les personnes à qui il a mis en prison aujourd'hui. Qui peut parler de RPG sans Amadou Damaro? Qui parlait de RPG aujourd'hui sans parler de Dr Diané, Dr Kassori, Oye, Ibrahim Kourouma, Albert Damantan? Hein? Et peut-être, c'est Amadou Damaro et, comment je vais dire, Oye, Kassori qui est venu hier dans le RPG. Mais Albert Damanta, il n'a pas connu quelque chose. Ibrahim Kourouma a été exclu même à l'école. Il est allé à Abidjan faire les cours à cause de Alpha Condé. Les Ibrahim Kourouma, les Ismaël Djoubaté, les Bantamasso. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu plein de choses à cause du RPG. Ils n'ont même pas pu terminer leur cours à cause du RPG. C'est pas hier qu'ils se sont retrouvés au RPG. Hein. Comme moi, moi, Dr Diané, Stafroulaye, moi, Dr Kassori, parce que Kassori, tout le monde sait, il avait son parti. Il était allié, après il a supprimé son parti pour le mettre dans le RPG. Oye, le RPG arc-en-ciel, les ministres des alliés, c'était le RPG, c'est devenu arc-en-ciel. Mais c'est vrai que ce n'est pas le RPG qui a amené Alpha Condé au pouvoir, on le sait tous. Tant tout le temps que c'était RPG, Alpha n'a jamais eu les élections. Même s'il a eu, en tout cas, il n'a pas été élu président. Alpha a été élu président quand le RPG est devenu arc-en-ciel. Oui? Les Albert Damantan, des RPGistes de base, qui va parler du RPG sans parler de Albert Damantan, Ibrahim Kourouma, Docteur Diané, Ismaël Djoubaté. Maintenant, eux tous, ils sont en prison. Ils étaient à l'autre sortie. Ils ont fait la prison. Vous pensez aujourd'hui, et aujourd'hui encore, il y a Docteur Diané, il y a Oye. Hey, docteur, Amadou Damaro aujourd'hui qui est devenu plié lourd. Kassori plié lourd dans le RPG. Et Mamadi va prendre le pouvoir, il va donner au RPG. Dans votre tête, vous qui pensez ça, vous filmez quoi? Si vous ne connaissez pas la politique, allez-y faire autre chose. Il faut que Mamadi Doumbouya parte pour qu'on revoie le RPG au pouvoir. Le cas échéant, on va tous voir ici. On va se réveiller un beau jour, Mamadi n'est pas en Guinée, et puis ils vont proclamer les résultats à son insu et qu'ils vont dire que c'est une autre personne, il va prendre les maîtres là-bas. Et la Guinée ne sera jamais calme. On se réveille, c'est pas le RPG, c'est pas l'IFDG, c'est pas l'IFR qui est venu au pouvoir. Qui va accepter ça? On va pas accepter. Non. Parce que les autres, on sait, ce n'est pas des partis qui n'ont pas, ils sont pas implantés. C'est des chercheurs de nom, des chercheurs de poste.
Donc, c'est ce que je dis, que celle-là n'ira pas en prison. Il ne part pas en prison parce qu'il a pris quelque chose. Il part en prison parce qu'il y a des gens qui ont fait la prison. Ils veulent que celle-là aussi va à la maison centrale. Comme Ousmane Gawal, par exemple. Moi, je le dis, Ousmane Gawal. Tu veux que celle-là part en prison parce que tu t'es dit tu es allé en prison. Tu as dit que tu es démocrate, tu es pour la démocratie. Est-ce que c'est celle qui t'a mis en prison? C'est ta bouche qui t'a mis en prison. Oui, tu es allé inciter à la haine, à la violence. Tu es allé toucher à l'État. Ce n'est même pas quand tu as dit il faut on peut tuer un président, ce n'est même pas ça qui t'a amené en prison. Oui, vous qui étiez en prison là, c'est votre bouche qui vous a amené en prison. Vous confondez le président et l'État et les institutions. L'État, le président passe mais l'État reste. On a vu des gens qui ont dit il faut aller déterrer les rails. On a vu toutes sortes, je ne sais. Toi, aujourd'hui, Ousmane Gawal, tu veux que celle-là parte en prison pour ne pas que tu dis non, il y a que celle-là aussi est allée parce que ce n'est pas lui qui t'a mis en prison. Donc, si tu n'as rien à dire, Ousmane Gawal, ferme ta bouche. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Tu ne peux pas dire que c'est les forces vives, les partis, société civile, les partis politiques, c'est faux. On dit que c'est faux. C'est vous les opportunistes, c'est vous les chercheurs le quotidien, c'est vous les chercheurs quoi manger, c'est vous les profiteurs qui sont entourés aujourd'hui par Mamadi Doumbouya pour profiter. C'est vous qui l'entourez aujourd'hui. C'est vous qui avez demandé les 3 ans là, parce que dans 3 ans, vous vous dites que voilà, même si vous n'allez pas tout gagner ce que vous voulez, mais vous allez avoir une bonne partie de ce que vous cherchez. Donc, détrompez-vous, celle-là n'ira pas en prison. Il n'ira pas en prison. Je ne suis pas militante de l'IFDG, je n'ai même pas besoin de dire ça. IFDG sait que je ne suis pas une militante de l'IFDG. Je suis une militante du RPG. On n'est pas en élection, on n'est pas en campagne. Et puis je dis bien, ce qui s'est passé dans le passé, ça va, je ne vais plus jamais reproduire ça pour n'importe qui. Mon problème, c'est Alpha Condé. Il est la seule personne qu'on touche tout de suite là. Et puis les gens vont me voir encore sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, mais attends, elle filme quoi? À part Alpha Condé là, et nos cadres qui sont aujourd'hui en prison là, personne ne... Je m'en fous en fait. Donc Doumbouya, dis à Ousmane Gawal de se taire. C'est pas nous, le peuple, qui vous ont demandé. Nous, le peuple, là, on vous dit on ne veut pas, on veut 15 mois et à partir du 5 septembre. Le cas échéant, c'est la dictature que vous êtes là en train d'imposer aux gens. Mais nous aussi, on vous dit que vous allez nous trouver, nous, le peuple, devant vous. Et je demande aux G58 d'organiser une manifestation partout dans le monde. Moi, je suis prête. Ma soeur Matou est prête. Benito est prête. Damaro est prêt. Benito est prêt. Ma soeur Matou est prête. Je suis prête. Damaro est prêt. On va représenter le RPG partout dans le monde. Partout ici. Parce que quand on parle de G58, le RPG est dedans. Donc, on demande que le G58 demande le départ de Mamadi Doumbouya. Ce n'est ni le RPG, ni l'IFDG, ni je ne sais. Ça, c'est le peuple de Guinée qui a demandé le départ. Donc, c'est ça. Et il est temps pour nous de le faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les militaires qui sont là, ils n'attendent que nous, notre mouvement. On doit manifester dans le monde. Le Sénégal doit manifester. Abidjan doit manifester, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, ici aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, partout se trouve un Guinéen. On va dire au monde entier que nous sommes des Guinéens, qu'on est contre ce dictateur, cet assassin qui est Mamadi Doumbouya et le CNRD. C'est des menteurs. Du 5 septembre de nos jours, tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont rien fait. C'est des menteurs et c'est des narcotrafiquants. Aujourd'hui, notre pays est devenu une plaque tournante de la drogue. Mais tous les grands gueulards là, ils sont tous nommés. L'exemple est là. Et dire au monde entier que la justice qui est là aujourd'hui, c'est pas une justice.
C'est pas comme les autres pays où la justice elle est indépendante. Notre justice n'est pas indépendante. On va montrer tous les preuves. A plus A. 1 plus 1. On va tout détailler. Il y a tellement de preuves qu'eux-mêmes, ils ont validé que la justice, elle n'est pas indépendante. On va tout mettre sur table. Donc, toute personne aujourd'hui qu'on dit qu'il a un problème avec la justice, il n'a pas un problème avec la justice, il a un problème avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya veut nuire la personne, il veut détruire la personne. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, Ousmane Gawal, si tu n'as rien à dire, pardon. Ferme la bouche, s'il te plaît. Pardon. Pardon. Parce qu'on ne va pas accepter, surtout aussi venant de toi. Hier, tu étais là, tu mettais le feu. Hier, tu étais là. Au lieu de soutenir la personne qui était Alpha Condé qui était là, si hier, vous là, vous étiez avec Alpha Condé, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Mais il y a des gens aussi qui étaient là qui ne voulaient pas parce qu'ils savent que si l'IFDG et le RPG conjuguaient le même verbe, c'était fini. C'est vrai, il y a des opposants. Mais pour ce que nous, la Guinée, là, c'était du jamais vu. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont avec Alpha Condé, qui se disent conseiller de Alpha, qui profitent de ça, qui s'enrichissent, qui ont un pied dedans et un pied dehors. Donc, il faut aller voir celle-là, lui remonter et venir raconter Alpha du n'importe quoi, diviser pour régner, pour gagner leur pain, pour ne pas que les deux-là, IFDG et RPG, conjuguent le même verbe. Aujourd'hui, tout le monde est démasqué. Donc, on en a marre de vous, le CNRD. Vous n'êtes que des menteurs, des manipulateurs. Et votre manipulation, ça ne peut plus marcher. Le premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est Nyako. On est d'accord? On s'est compris? IFDG, RPG, là. IFDG, aujourd'hui, on te dépose. On dépose le RPG. Wallahi billahi tallahi, l'IFDG, ils vont prendre le RPG. Parce que non seulement hier, ils ont compris aussi que les crimes de sang, s'ils étaient fâchés hier contre le RPG pour dire les crimes de sang là, hier, ils ont encore compris que ce n'est pas le RPG, ce n'est ni Alpha ni ses ministres qui tuaient les enfants de l'Axe. Hier, vous avez prouvé à l'opinion nationale et internationale. Et IFDG, hier, ils ont compris, ce n'est pas Alpha Condé qui donne l'ordre de tirer sur quelqu'un. Ce n'est pas nos cadres qui donnaient l'ordre de tirer sur quelqu'un. Ce n'est pas le RPG qui donnait l'ordre de tirer sur quelqu'un. C'est vous, les forces spéciales, qui ont toujours... Vous êtes des sanguinaires. Tant que les hommes ne tombent pas, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Hier, vous avez prouvé ça à l'opinion nationale. Et international et l'IFDG. Aujourd'hui, on te dépose, on dit à l'IFDG, Doumbouya et le RPG, ils vont prendre le RPG. Aujourd'hui, RPG arc-en-ciel, je dis, je ne parle pas des soi-disant RPGistes, hein. Je ne parle pas des démagogues, les clients, les chercheurs de quotidien, les ethnos, parce que dans tout, partout dans le monde, il y a les ethnos, il y a les patriotes. Dans toutes les communautés, il y a les patriotes, il y a les ethnos. Je ne parle pas des ethnos, des petites personnes, les chercheurs de quotidien, les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Qui n'est pas contre l'injustice, qui se dit que non, tant que quand l'injustice est un parent à eux, ce n'est pas un problème. Nous, on ne parle pas de ces gens-là. On parle de personnes, même quand ta mère te fait du mal, même quand ta mère fait l'injustice, tu as le courage, l'audace de dire que non, maman, l'injustice, je ne vais pas approuver. Ce n'est pas parce que tu es ma mère et que tu vas faire l'injustice, je vais t'accompagner. Je ne parle pas de ces petites personnes qui se disent RPGistes dans la bouche des démagogues. Aujourd'hui, nous, les vrais RPGistes, tu dis le vrai RPGiste, tu lui demandes, Mamadi Doumbouya et le CNRD et l'IFDG, ils vont prendre l'IFDG. Parce que tout ce que s'est passé, tout ce que l'IFDG, Saloudalé et ses militants ont fait du RPG, ils n'ont jamais pu atteindre Alpha Condé, ils n'ont jamais pu atteindre nos cadres qui sont en prison. Tout ce qui s'est passé avec toute leur opposition, tout ce qu'ils ont fait,
ça, ils n'ont jamais pu nous atteindre. Qui a mis Alpha Condé? Qui a pris Alpha Condé? Quand Adoumbouya a pris Alpha Condé, pourquoi il n'a pas, comme dit une dame, la femme qui a parlé dans le siège de Selouda Lella, cette femme-là, c'est elle qui avait insulté, cette vidéo qui circule là, c'est elle qui a insulté ma mère, mon père, dans la maison de Selouda Lella. Nene Ousmane, celle qui a parlé la dernière fois au siège du RPG, c'est elle qui a insulté mes parents, c'est elle qui a... La vidéo qu'on partageait sur les réseaux, là, c'est elle. C'est bien elle. Mais vous savez pourquoi je ne l'ai pas mis en prison? J'ai une amie, ma meilleure amie, fille, qui est en Guinée, son grand frère, la femme de son grand frère, c'est la petite soeur de sa maman. Quand j'ai dit je vais porter plainte contre cette dame, c'est elle qui m'a appelée. Je vais dire son nom ici, Binette. Ceux qui la connaissent, bon, Binta, Binette, Binta même. Elle, c'est ma meilleure amie en Guinée, depuis. Son grand frère, sa femme, cette nénosse-là, elle est la petite sœur. En fait, c'est la belle famille, de cette fille qui est ma copine. C'est à cause d'elle, je n'ai pas porté plainte contre cette femme. Plus, elle-même, elle a dit qu'elle a fait la prison. Le jour où elle a insulté mes parents, c'était un vendredi. Elle a insulté ma mère, elle a insulté mon père, elle m'a insulté. Elle nous a traités de tous les noms d'oiseaux. C'était un vendredi. La veille, samedi, la femme est allée, c'était pour aller brûler, je ne sais pas, au moment des manifestations. Je ne sais pas, elle est allée, en tout cas. On l'a pris là-bas et elle a été déférée. Et moi qui vous parle ici, là, j'ai participé pour qu'on la libère. Après avoir nous insulté, hein, ces dossiers-là, je suis passée là-bas, là. J'ai dit, c'est une femme. Il faut qu'on ne l'a pas. C'était pas moi, hein, mais je sais ce que j'ai fait dans l'ombre là-bas pour qu'elle obtienne sa liberté. Elle a fait un mois, j'ai oublié trop. Mais mettre ces avocats-là, maître Alseni Aïssata peut témoigner. Moi, je n'ai pas été comme elle. Moi, je ne vais jamais payer le mal par le mal. Donc, elle est allée, elle a insulté mes parents. Vendredi, samedi déjà, elle a été arrêtée. Lundi, elle a été déférée sans que moi-même je ne sois au courant. C'est quand elle est allée, après j'ai compris, on m'a dit. Et malgré ça, j'ai fait des démarches. Maintenant, est-ce que moi, elle était en prison, j'ai fait les démarches pour qu'elle sorte. Est-ce que moi aussi, je peux encore porter plainte? Non. Elle a dit quelque chose dans le siège de l'IFDG. Elle dit, Mamadi Doumbouya, pourquoi? Qu'elle a une question pour toi. Que pourquoi, quand tu as pris Alpha Condé, tu n'as pas fait passer Alpha Condé par l'autoroute? C'est une bonne question. Pourquoi tu ne l'as pas pris, l'envoyé à l'autoroute, sur l'autoroute? Tu ne l'as pas fait? Parce que tu savais que, ouais, il fallait prendre Alpha, l'envoyer sur l'axe pour valider. C'est ce que je dis, c'est le plus dessus aujourd'hui. Et tu as appelé celle-là pour lui dire, fais sortir les gens, j'ai pris Alpha. Dans 6 mois, je vais organiser les élections, je vais te donner. Tu as dit ça à celle-là. C'est ce qu'il a fait, il était dans tout son état. Et il a cherché le pouvoir, combien d'années il va être président. Toi, tu l'as dit ça. Mais il va te croire. Il va sortir, applaudir, danser. Ils vont tout faire et tout. Et son passeport était confixé. Est-ce que Fodéous aussi, son passeport était confixé ou il était juste interdit de sortir? Je ne sais pas trop. Mais là, tu as redonné les passeports des autres. Et tu reprends les passeports de nos cadres, de nos directeurs, de nos DAF. Tu nous parles de quelle liberté? Quelle démocratie? Vous pensez parler à qui? Vous pensez vous êtes en face de qui? Aminata Diallo, Ousmane Gawal. Et puis c'est vous deux, Aminata Diallo, Ousmane Gawal, Diallo. Pourquoi c'est vous, tous les gros mensonges là, c'est vous qui venez dire ça au peuple?
Pourquoi partout il y a danger là, c'est vous deux qui venez nous dire. Aminata Diallo, tu es une femme, il n'y a pas d'autre poste. Tu sais pas, il y a tellement de postes de responsabilité. Tu es la seule femme qui est dans le CNRD. Ah non, mais c'est... Mais pourquoi c'est toi on a sacrifié? Pourquoi accepter d'être sacrifice de Mamadi Doumbouya, un ingrat? Quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, qui n'a pas laissé son petit Ali Camara. C'est toi, il va laisser, tu penses? Ousmane Gawal, pourquoi avec tout ce qui se passe, c'est toi? Pourquoi? C'est toi le ministre de l'Habitat qui est le porte-parole. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le ministre de l'Information? Pourquoi c'est pas un autre ministre? Vous allez le regretter. Un jour, vous allez s'asseoir et regretter. C'est moi qui vous dis. Moi, quand je dis là, moi, ma bouche là n'est pas bon. Tout ce que je dis, wallahi billahi tallahi, ça va venir. Je ne mens pas, moi. C'est parce que je te déteste que je vais raconter du n'importe quoi. C'est parce que je t'aime pas que je vais tout coller en toi. C'est parce que je t'aime pas que je vais accepter qu'on colle tout sur toi.